Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je commence cette vidéo en présentant mes excuses au directeur de la chaîne nationale CRTV, Monsieur Charles Dongo, ainsi que ses collaborateurs pour cette image de Francis Ngannou que tous les blogueurs, presque tous les blogueurs, y compris moi, avons mal interprété. Voilà, ce n'était pas un problème de clim. J'ai été interpellé pour cette image. Et avant de mieux vous expliquer ce qui se passait, je vous invite à regarder un peu cet extrait. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. Ok. Vos yeux alors vu, non? Oui. Oh oui. Vous avez vu là, c'est le roi Bamoun qu'on accueille. Vous voyez les hommes qui sont devant avec, je ne sais pas comment ils appellent ça, en train de mettre l'air sur le roi. Donc c'est un symbole de respect. Donc ça veut dire quoi? Ganou a été reçu à la CATV comme un roi. Donc la CATV a reçu Francis Ngannou comme un roi. Donc la dame qui était devant, on m'a même expliqué la distance entre la dame et Ngannou. Donc ce n'était pas l'air que la dame était en train de mettre sur Francis Ngannou. La dame était tout simplement. Donc ce sont des honneurs. Des honneurs. Donc la dame là était placée là juste pour donner des honneurs à notre champion Francis Ngannou. Donc Francis Ngannou a été reçu à la CATV comme un roi. Donc c'était ça qui symbolisait. Ce n'était pas un problème de clim. Il y a bel et bien la clim. Au moins c'est 5 clims qui fonctionnent bien. Voilà, cette vidéo, ce n'est pas parce que quelqu'un de la CATV m'a interpellé. Non, 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 non. Ou m'a menacé. Non, 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 non. Celui qui m'a même expliqué tout ça est un chef traditionnel. Voilà donc. Voilà ce qui s'est réellement passé à la CATV. Rien à voir avec tout ce que. Parce que même les fans ont aussi interprété l'image de la même manière que nous. Tout le monde voyait comme c'était l'air. Comme c'était l'air qu'on mettait sur Francis Ngannou. Non, ce n'était pas ça. Ngannou était bel et bien dans la clim. Voilà. Et ce que la dame faisait, on a juste mis la dame là pour valoriser. C'est une manière de. Je ne sais pas comment traduire cela. Les experts, là, vous comprenez de quoi je parle. Donc, ce sont des honneurs, en fait, qu'on donnait à Ngannou en plaçant la dame là pour faire semblant de. Voilà, vous avez vu l'exemple. Le roi Bamoun est passé et les gens, ce n'est pas l'air qu'on met sur lui. J'espère que le message est passé. Donc, moi, particulièrement, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Et je crois que je ne pouvais pas garder cette information pour moi parce que j'ai fait une vidéo hier pour descendre la CATV en disant qu'il n'y avait pas la clim à la CATV. Donc, ce n'était pas un problème de clim. Merci encore à l'employé de la CATV qui nous a balancé cette image dans la rue. Ça a un peu fait un boom quand même. Donc, c'était aussi top. C'était aussi waouh. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de quelques images pendant l'inauguration de la fondation Francis Ngannou.
Pour tous ceux qui souffrent des maladies prostatiques, nous vous présentons aujourd'hui la gamme Naturia Prostate qui est une révolution de la médecine africaine. Vous qui aviez les troubles prostatiques, vous n'arrivez pas à ruiner. Voici Naturia Prostate qui est avant tout un anti-inflammatoire qui vient baisser le volume de la prostate. Le second T qui est un antibiotique qui vient résoudre définitivement les problèmes d'infection urinaire. Ces gens qui n'arrivent pas à uriner, vous partez uriner, vous ressentez des douleurs. Au niveau de l'organisme, ce produit intervient en antibiotique. Vous avez tout de même ce produit qui élimine les symptômes du cancer de la prostate phase 1. Donc, mesdames, messieurs, il ne vous reste plus qu'à nous contacter pour avoir plus d'informations, savoir comment utiliser et comment procéder à cette gamme qui est une révolution de la médecine traditionnelle pour mettre fin à tout type de troubles prostatiques. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.